Bonjour les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un petit concours sympa pour vous aider et tout. Donc, seulement les gars, une condition, 30 likes les gars, 30 likes. On fera le tirage au sort de 1 million de Kama à gagner sur le serveur Télésia les gars, seulement. Je joue seulement sur Télésia, j'ai pas d'autres personnages et quoi que ce soit. Donc, voilà les gars. Comme d'habitude les gars, mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires sur le serveur Télésia, comme d'habitude les gars. Donc, voilà. 30 likes les gars, 1 million Kama à gagner sur le serveur Télésia. 30 likes les gars, seulement. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà pour le petit concours de 1 million de Kama. Allez, on passe maintenant aux vidéos. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce Kama. Je vous montre une astuce Kama les gars, ultra sympa, facile à faire. Ça part très 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 bien, comme vous le voyez ici. Les gars, aujourd'hui, on va faire les corons d'Alistair. Bon les gars, je veux dire maintenant, on va pas faire beaucoup de bénéfices, puisque déjà à la base, le craft, ça coûte vraiment rien. Tant que les gars, les Brésiliens, qui coûte un petit peu cher, allez, 180 000 Kama, mais les autres ressources, les gars, ça coûte rien. Regardez, ça c'est rien. On a pour 20 000, 30 000, 30 000, 40 000, on a pour 40 000, allez, 230 000, pardon. 230 000, 330 000. Allez les gars, 350 000 Kama le craft. Donc, forcément les gars, je vous le dis maintenant, on va pas faire beaucoup de bénéfices. Mais puisque la coiffe, ça part très 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 bien les gars. Franchement, ça part ultra 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 vite. Il y en a beaucoup des persos R les gars sur le jeu. En plus de ça les gars, cette coiffe c'est 196. Donc, tous les personnages 199. R porte cette coiffe, donc, elle est magnifique en plus. Ça donne 100 d'agilité, 400 vitalité, la portée, les deux invocations pour les Ossa, les 20 dommages R, les 10 résistances R, les gars, donc, une coiffe magnifique. C'est pour ça, ça part très très bien. Mais avant cela, les gars, avant de commencer tout ça, j'ai quelques preuves de vente à vous montrer. On va commencer directement par Île du Chaos à 1,8 million. Bon, les runes, les gars, on s'en fout un petit peu. Rien de spécial. On a quoi? On a érodé 200 000 Kama. Ça fait plaisir. Les runes qu'on a fait la dernière fois. Vigoureux, presque 200 000 Kama. Ça fait vraiment plaisir. Miraculé, les gars. Ultra rentable à 74 000 Kama. Franchement, c'est ultra rentable, tout ça. Quoi d'autre? On a Kanji Girac, les gars, l'arc à 1,6 million. Franchement, ça fait plaisir. Regardez, les gars, les voyageurs. 1, 2, 3, 4, les gars. 350 000 Kama, putain. Ça fait vraiment plaisir. Ça part très, très bien. Les érodés, les gars. Le trophée feu niveau 100, ça part ultra vite. Donc, franchement, très, très bon astuce Kama à faire. Quoi d'autre? Les vigoureux encore. 1 million. Enfin, 1 million. 190 000 Kama. Les Yuya, 350 000 Kama. Ça fait plaisir. Des Kama gratuits, les gars. Des bons BNF en plus. Voilà. Rien d'autre. Normalement, on est bon. Attendez, normalement, j'ai d'autres. Juste 2 secondes, les gars. Non, c'est pas ça. Normalement, on est bon, les gars. Bon. C'est bon pour l'épreuve de vente. Bon les gars, donc, je vais crafter 4. Allez, je vais crafter 4. J'ai combien de Kama sur moi? J'ai 1,5 million, donc je vais crafter 4 coiffes. Et on se retrouve après pour la femme. On va mettre quelques FM. Vous connaissez la chanson. Sinon, ça part pas les gars. Donc, voilà. Restez jusqu'à la fin pour voir combien de BNF et tout. Donc, voilà. On se retrouve juste après.
Heureux les gars, donc voilà pour le craft, c'est fait. Donc on va les FM rapidement. Je vais juste sortir les runes rapidement. Voilà, c'est fait. Allez, on va mettre quelques FM vraiment rapides. Enfin, j'espère bien que ça sera rapide. On a quoi? On a la coiffe. Donc, voilà, j'ai crafté 4. Il me reste presque 100 000 kama. Voilà, allez, on va dire 100 000 kama, les gars. Donc, le craft, c'était 1 400 000. 1 400 000 divisé par 4. Attendez juste 2 secondes, les gars. Divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 300 000 kama, finalement, les gars. 300 000 kama l'unité. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc, on va les FM. On a quoi? On a 84, c'est pas ouf. Franchement, les gars, c'est pas ouf. Vitalité, c'est mort. L'invocation, on va mettre ces deux, les gars. C'est pour les os, ça et tout. Ça, c'est fait. 60 AG, allez, on va mettre à 100. Ça fait plaisir. Allez, 80, 90. Allez, 100. Parfait. Parfait. Les dommages 18, c'est déjà bien. Les raids, on va mettre 10. Bien sûr, 10, c'est excellent. Les esquive packs, on s'en fout un petit peu. Les 18 dommages, les gars, R, c'est déjà bien. Franchement, c'est clean. Sagesse, on s'en fout un petit peu. Allez, je vais mettre... attendez, les gars, je réfléchis. Est-ce que je vais mettre 50 et ça sera bon? Non, les gars, allez, quand même, je vais mettre 15, j'espère que ça passe direct. Allez, passe, yes, on est bon. Par contre, les raises, c'est 10, s'il te plaît, passe en crit. Ah, merde. Allez, passe, yes, on est bon. Allez, je vais tenter de mettre 50. Allez, yes, les gars, on est bon. Franchement, le jet est vraiment bon jet. Voilà, bon jet. Sagesse, on s'en fout clairement, les gars. C'est pas vraiment important. Bon, t'as pour l'esquive et tout, mais franchement, c'est pas très très grave. 2 invoques, la portée, les 18 dommages R, c'est déjà bien, les 2 résistances R. Donc voilà le jet, on même pas... Pardon, les gars, on même pas 30 secondes. Voilà. Allez, on passe à la deuxième coiffe, c'est pareil. L'invocation c'est 2, les gars. Les invoques c'est 2. 14 dommages. On va mettre à 19 minimum, les gars. Si on peut. Sinon, c'est pas grave. Les 10, voilà, 19. C'est bien. C'est bien. Les racines 10, les gars, pour les gens qui PVP. Donc 10, 19, 2. 77 agilité. C'est bien. Allez, on va mettre à 79. Enfin, 97, parfait, excellent. Le jet est vraiment, vraiment clean, les gars. 10, 19, 2, une portée. Il nous manque juste quelques vitalités à mettre et ça sera bon. Parfait, allez, 50, si ça passe, on est bon. Yes, les gars, on est bon, mais pourquoi ça passe tout en crit? Putain, les gars, c'est vraiment cool, là. C'était même pas 30 secondes. Franchement, les gars, même pas 30 secondes à faire ça. Donc, le jet est vraiment clean. Et bon, clean, j'abuse un peu, mais il nous manque juste quelques vitalités. Un dommage R, et c'est tout, les gars. Les autres, on s'en fout clairement. Donc, voilà, le premier jet. Ça, c'est le deuxième. Allez, on passe à la troisième coiffe. C'est tout pareil, hein. Ça c'est 19 minimum. Voilà, allez, passe 19. Les races c'est 10, bien sûr. Oh, la portée, les gars, on a pour 6, 12, 18. Déjà, si ça passe en crit, après on va compter tout ça. Non, bon, c'est toujours ça. De toute façon, j'ai vraiment pas de chance. Bon, les gars, on doit clairement descendre l'agilité pour mettre les rendre à âge plus les rompes à âge, sinon ça passe jamais si on met les rompes à âge à 73. Donc on doit clairement descendre l'agilité. On va spammer quoi? Allez, je vais tenter de mettre 20. Allez Dofus, allez, on va tenter de mettre 20. Non, parfait, 20. Ça c'est bon, les gars, 20 dommages. Est-ce que ça passe si je mets ça à 93, les gars? Est-ce que ça passe?
Je pense que ça va partir. Hein. Franchement, je pense que ça va partir. Oh, la portée, les gars. Si ça passe en crit. Yes, les gars, en crit. Donc, ça coûte 10. Ça, c'est 51. Donc, il ne reste 41. Je vais tenter 40, je vais tenter de mettre 4. 4 rage. Enfin, ravi, pardon, les gars. J'ai dit de la merde. Désolé. Ravi. 4 ravi. Donc, on va faire ça. Allez. Ça passe en crit. Donc, on peut ajouter une. Parfait. Oh putain les gars, regardez la vitalité, ça va partir très très vite ce jeu-là. Franchement les gars, ça va partir très vite. Allez, passe, s'il te plaît. La dernière? Non, malheureusement pas, mais c'est pas grave, franchement les gars. 50 vitalité de plus, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, pour ce jeu-là. Allez, on passe à la dernière coiffe. Franchement, ultra facile à AFM. Donc, tu peux faire cette astuce Kama, les gars, sans vraiment casse-tête ni rien du tout. Juste spam les runes et voilà, les gars. Donc, on a dit le craft c'était 300 000 Kama l'unité. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ça coûte vraiment rien et ça part très, 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 très vite. C'est normal, les gars. Il y en a beaucoup des persos R sur le jeu. Peut-être l'élément la plus joué sur le jeu. 19, 10, 19, 2, 40. On est bon, hein. Franchement, on est bon. Allez, je vais tenter de mettre 50. Yes, les gars. Parfait. Regardez le jeu. Petite overveta. 93 agilité, 40 sagesse, la portée, 2 invoques, 19 R sur 20, l'idée résistance. Franchement, les gars. C'est cool. Vraiment, les gars. Très, très bonne astuce, Kama. Donc, voilà pour les 4. Allez, on va checker combien ça part en HDV. Bon, les gars, je vous le dis maintenant, hein, ça va pas, genre, coûter ultra cher, puisque c'est pas si la AFM. En plus de ça, ça coûte rien, 300 000 Kama l'unité. Donc, c'est combien? Le craft, c'est 1 million 4. Pour les 4. Donc, ça coûte combien en HDV? Ça coûte. Oh, 450. Franchement, pas mal. Donc, 150 le craft, 300 000 Kama, et tu fais 150 000 Kama. Donc, 50% de Kama. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Franchement, très très bon astuce Kama. Sachant que, le premier jet est vraiment nul. Oui, résistance et tout. Non, les gars. On passe. 20, 10. C'est un bon jet, par contre. J'ai mieux, j'ai quelques overveta, donc je vais mettre ça. Allez, ça c'est nul. Ça c'est nul. C'est un bon jeu, ça c'est très 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 bon jeu. Bon les gars, je vais pas vraiment faire du gourmand. Allez, je vais mettre ça à 600 000 Kama l'unité. Voilà, 600 000. Normalement, ça va partir très très vite. Les deux là, les gars, je vais le mettre à 600. Donc, on a pour 1 million 2. Et les autres, je vais le mettre à 500 000 Kama. Donc, on a pour 2 millions 2. Attendez juste 2 secondes, les gars. 2 millions 2. Ah, merde. Merde, merde. 2 millions 2. Moins 1 million 4. De craft. Ça fait combien? Ça fait 800 000 Kama de B9, les gars. Franchement, pas mal. Vraiment, les gars, pas mal. Puisque l'astuce Kama prend même pas 10 minutes à faire, sans casse-tête ni rien du tout. En plus de ça part très, 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 très vite. Donc, voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le concours de 1 million de Kama. Et surtout, les gars, n'hésitez pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces Kama sympas. Donc voilà, allez, on se retrouve à la prochaine.